aujourd'hui, c'est l'heure de jouer le troisième Fut Champions de l'année sur FC25. On va jouer tous nos matchs et ouvrir nos belles récompenses. Bienvenue à toutes et à tous, les amis, sur ce 15e épisode de notre club PlayStation sur FC25. Toujours avec 0€. Aujourd'hui, on se retrouve pour jouer l'entièreté de mon Fut Champions et également tester la toute nouvelle carte de Jorginho Rutter. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon? On verra ça aujourd'hui dans cet épisode, juste avant, les amis. Si vous aimez bien la vidéo, n'hésitez pas à liker et également pense à t'abonner si c'est pas encore le cas pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur FC25. Aujourd'hui, les amis, c'est le Fut Champions avançant sur Twitch, donc n'hésite pas à nous rejoindre en live. Le lien est dans la description. Les amis, bon visionnage. 1 450 000, here we go. On y va. Monsieur Didier Drogba. J'avais pas fait l'enchère juste à l'instant, les gars, avant pendant qu'on commençait le stream, j'avais pas fait l'enchère. 1 469 000. Je me suis dit non. Moi, c'était 1 450 000, point barre, et 1 450 000, c'est bien ça. Venez au club, monsieur Didier Drogba. Ah, on est bien. Ah. It's a disgrace. Les gars, non, c'est pas une disgrace. Ce qui s'est passé, les gars, c'est que j'ai donc vendu Müller, que j'avais acheté à 1 360 000. Donc je me suis fait après taxe, que je te dis pas de bêtises, je me suis fait 40 000 crédits next net de profit après taxe. Comme on aime, j'ai testé, il était bon, il était monstrueux dans la finition, mais je le trouvais un petit peu lent. Et à côté d'un Griezmann, j'avais peut-être besoin d'un buteur peut-être un peu plus physique, qui pouvait prendre des ballons de la tête et un peu plus rapide. Donc je me suis dit Didier Drogba dans cette même fourchette de prix, et surtout tir puissant plus. Exactement. Parce que en voyant le gameplay de Vincent, les gars, moi je suis obligé de maintenant de monter dans le train des tirs puissants. Et ça, c'est tous les joueurs que du coup j'ai revendu. Diani, on a fait une petite masterclass dessus. Je l'avais acheté, bah du coup 670, et après profit, on s'est fait 100 000 crédits. Donc bon, franchement, ce week-end, je suis très très bien, et les GOAT aussi. J'ai investi sur beaucoup de Moiskin à environ 16 000 en moyenne, entre 15 000 et 16 000, de temps en temps 17 000. Pourquoi? Pour tout simplement parce que t'as le SBC Di Lorenzo qui va sortir, t'as pas beaucoup de buteurs italiens en Serie A, et aussi la Fio a déjà gagné son premier match. Et donc jeudi, s'ils regagnent, ils peuvent prendre un up. Par contre, les Moiskin, moi je vais les vendre avant. Dans la hype du match toujours. Donc voilà, moi je les ai achetés 16 000, 17 000 en moyenne. Je crois qu'actuellement, attends, on va te dire ça, on va voir il est à combien, mais je crois qu'il a fait un TikTok là-dessus. Ouais. Ouais. On n'a pas écouté Arts, c'est plutôt Arts qui nous a écouté. Mais bon. Moiskin, c'est actuellement 18 500. Donc j'espère les revendre aux alentours de 20 000. 20 000, 21 000, je pense que je serais très content là-dessus, les gouttes. Les gars, l'histoire, c'est pas. C'est Arts qui. On lui a dit, ouais, peut-être ça, ça peut monter. Et c'est Arts, c'est pas nous les gars qui avons écouté Arts, c'est Arts qui nous a écouté. Si l'histoire, elle vous plaît. Merci Arts. Merci Arts. Si l'histoire, si le storytelling, parce que Arts, les gars, tout à l'heure, il a fait un TikTok par rapport à Moiskin. C'est pour ceux qui savent pas. Oh, Arts des Ignos, vous savez, les gars, c'est le. C'est le clochard qu'on a récupéré sous le pont. Vous le connaissez, les gars, Arts? Souvent, il est à la maison. Enfin, notre maison, c'est une sorte de refuge pour lui. Vous le connaissez, les gars, Arts des Ignos? Bellingham, c'était juste une version après que je voulais tester. Mais voilà, ça, c'est mon équipe, mais je vais peut-être changer. S'il y a le SBC de Barcola qui sort ce soir, les gars, je vais sûrement le faire. Ah. Je vois qu'il y a Monsieur Barbé dans le chat. On commence peu à peu à transformer le Monsieur Théo Barbé en un très grand joueur. Théo, je te la fais courte. Je vais te transformer en Maldini au club. Chère. Parce que là, sous Almere City, t'es pas ce gars-là. Théo, sache-le, avec moi, je vais te faire bosser. Il faudra que tu en donnes. Et tôt ou tard, on va faire un foot champions avec toi, mon Théo. Parce que là, au niveau déjà vitesse, j'aime bien ce que je vois. Et vrai. Tu sais que j'aime bien ce que je vois. Donc, les gars, Théo Barbé, we will be there. Par contre, 69 agressivité pour un défenseur central, tu te fais. Par contre, faut en redonner non, des coups, Barbé. Théo, 69 d'agressivité, mon frérot. Tu en redonnes des coups ou c'est comment? Et chier, je sais qu'il a la batterie en blanc. Vous pensez, les gars, vous avez. Il est agressif avec 69 d'agressivité. Vous voyez Théo Barbé dans la rue, vous le prenez par les oreilles en fait. 69 d'agressivité, c'est quoi ça? Non, tu lui dis, s'il te plaît, tu peux. Eh, hey, s'il te plaît, Théo, tu peux remplir ma gourdolie, s'il te plaît. Mais là franchement, honnêtement, il faut juste une petite évo qui augmente la défense et le physique. Et franchement, on est en plein dedans. Là, en plus, avec le nouveau système d'évolution, tu sais qu'il y a un monde où Théo, assez vite, je te fais rentrer dans mon équipe pour faire un point de champion. Après, je pense que pour les DC, 85 de vitesse, c'est déjà beaucoup. Mais tu sais que là, déjà, accélération 78, vitesse de sprint, c'est correct. En vrai, tu sais que déjà, la vitesse, t'es bien. Et passe courte, c'est vrai que passe courte 59. Par contre, la vision, elle est horrible. Même la finition. Ah, mais bon, après, ça, c'est un DC. Je vais pas lui demander. Je sais qu'il est pas très très bon devant. Je vais juste demander de récupérer le ballon et de lâcher le ballon. Et Nice est fort, bah c'est le point faible de Liam. C'est le point faible de mon équipe. Mais au pire, les gars, j'ai qui est ça sur le banc. J'ai qui est ça et Saka que j'avais packé cette semaine dans un renfort team of the week. Donc dans le pire des cas, j'ai des bons super subs. Donc ça va être l'équipe qui va. Du moins, je vais commencer Fut Champions. On va tester Drogba du coup. Je vais jouer en 4-1-3-2. Tout simplement parce que je trouve que depuis la mise à jour, il me faut quand même un petit peu de monde dans les ailiers. Il me faut un MDC et il me faut deux buteurs. Donc en fait, j'ai essayé le 4-4-2 avec deux MDC. J'ai trouvé que ça, quand même, ça manquait un petit peu de monde, un petit peu devant au milieu de terrain quand j'avais le ballon. Donc on va essayer le 4-1-3-2. Donc ça, au niveau style de construction, c'est équilibré. Approche défense.
défensif, c'est 75. Moi, j'aime bien tout de suite mon bloc soit assez haut. Au niveau des rôles, sans ballon, les gars, ça, c'est mes rôles actuellement. Je vais voir, j'ai peut-être changé en cours de route. Et quand j'ai le ballon, c'est ça. Donc voilà, je vais voir ce que ça va donner, mes premiers matchs Fut Champions. J'attends beaucoup, beaucoup de ce monsieur Didier Drogba et j'hésite à le mettre pivot. Non, je pense pas. Attaque avancée, c'est meilleur. Ou peut-être pivot. Alors, si tu le mets pivot, en tout cas. Non, non, je vais mettre attaquant avancé. Mais ce qui peut être intéressant avec ce Didier Drogba, justement, c'est que si t'es en galère, les gars, aussi, c'est un petit conseil que je peux vous donner, les frérots. Si vous galérez à la relance et vous avez plutôt un buteur comme Didier Drogba ou Erling Haaland, joue en déviation, mon frérot. Tu fais une petite passe sur Didier Drogba, quoi qu'il arrive, il va gagner son duel aérien. Tu vois, donc peut-être pivot, à toi de voir avec les premiers matchs, mais peut-être que pivot, ça peut être intéressant pour Didier Drogba, justement, pour ce côté-là. T'as peut-être raison. Et je vais mettre instruction corner pour mes potos Didier. Et est-ce que le timing vert sur les tirs puissants, ça sert? Moi, maestro, je le fais. Honnêtement, je pense pas que ça sert à grand-chose parce que t'as plus de chances de foirer plutôt que de réussir. Mais si tu t'entraînes assez, je pense que c'est toujours mieux de savoir faire un timing vert sur un power shot plutôt que de pas le faire. Allez, les gars, on va y aller pour Fut Champions. Et les gars, je vais jouer avec Bellingham en prêt parce que j'ai pas assez pour un bon milieu de terrain actuellement parce que j'ai mis pas mal de crédit du coup sur Likin. Donc c'est pour ça que je vais jouer en prêt et j'ai 17 matchs à jouer avec lui. Donc autant l'utiliser pour le Fut Champions, les gars. Donc voilà, comme ça, si ça me permet d'économiser des crédits et en plus, si je peux utiliser une version de Bellingham, pourquoi pas l'essayer. Parce que je pense que c'est peut-être dans ce rôle-là où il sera le meilleur. En mode box to box. Bon défensivement parce qu'il faudra quand même épauler Rodri quand on va défendre. Et bon offensivement parce qu'il peut frapper de loin. Il a une bonne frappe de loin. Et ouais, je me dis que ça peut être un bon. Peut-être son meilleur rôle dans une équipe. À ce Jude Bellingham. Bellingham. Ok, et je viens de voir un frérot, un commentaire là, d'un frérot sur TikTok. Vous nous cassez les avec vos timings. Mais c'est pas vrai mot. Mais rentre dedans. D'accord. Attention. T'as une minute d'écart avec ton frère jumeau. Tu sais que mon frérot, t'as vraiment franchement waouh. Waouh, les pays ils sont horribles. Nous on a 6 minutes d'écart. Liam il est né ouais. À 17h35, moi à 17h41 chef. N'hésite pas aussi à s'entrer sur Drogba si tu peux. Bien joué. Les gars, hey, je comprends pas, mes passes ne vont pas au bon joueur, ne vont pas à la bonne personne. Mes joueurs, mes passes, c'est horrible. C'est un centième. Bah en vrai, j'ai hâte un peu quand Fortnite, ça va reprendre, les gars, le OG. Ça va être cool. Franchement, les gars, je pense qu'on va vous choquer du niveau. Bah les gars, premier match, première défaite. Franchement, le but que je me prends, c'est horrible. Et Liam qui salue les frérots dans l'un. Si tout se passe bien, les amis, là, je dois avoir une carte rush. Ça, c'est les 3 packs, du coup, qui étaient dans les objectifs. On va les ouvrir. Et ça aussi, c'est les packs des objectifs rush que j'ai terminé tout à l'heure, les amis. Je suis allé récupérer les 70 000 points pour rush. Donc, on va essayer d'aller chercher du lourd. C'est que là, je serais capable de pas avoir d'animation dans mon double 86+. Hein. Allez, 2 joueurs 84+, allez. La vie est dure pour l'air en ces temps-ci, c'est vrai. Mais c'est, je dois me réfugier dans le travail quand c'est comme ça. Quand j'ai pas beaucoup de chance dans les packs. Après, j'ai eu Son. Je dis ça, les gars, j'ai eu Son vendable dans mes récompenses d'Evilite. Je fais le mec, les gars, mais j'ai quand même eu Son. Allez, le pack 2 joueurs 85+. Animation. Ok, donne-moi ma pylône et ça me dérange pas. 89 de notes, ça me dérange pas. Il me semble que c'est ma pylône. Tu arrêtes avec ton téléphone là, Vincent. J'étais en train de tenir au courant, les gars, ma colombienne, comme quoi j'aurais du retard ce soir. Parce qu'il y a le Fut Champions Flopesque de Liam qui doit rester la priorité. Ouais. Spoiler, c'est Lucas la colombienne. Non, les gars. Bizarre. Non, j'ai pas envoyé un message à notre monteur. Non, c'est du mytho. Il faut pas l'écouter, Lucas. Allez, le pack 3 joueurs 85+. Allez, s'il te plaît, allez. MC? Non, Liam, t'enflamme pas, Liam, ça... C'est Nombélé, chef. C'est Nombélé, on s'est Nombélé. Pas grave, mon petit prince, pas grave. Bienvenue au club Tanguy, au moins c'est une carte rush. Avec ma Totti de l'année dernière. Allez, le pack 2 joueurs 86+, c'est maintenant Yet Sports. It's now or never. DG, Cancelo. Aïe, c'est pas grave. FIFA qui consomme un petit peu plus le L. Voilà, tape, faut que tu sois méchant, Liam, dans la finition. Je sais pas combien il est. Voilà, c'est simple. Liam, faut que tu joues simple et efficace. Simple et efficace, mon Liam. Tu t'es pris une droite, tu t'es pris une mandale sur la joue droite, ça fait mal. C'est un peu rouge, mais maintenant il faut que tu en redonnes. Il y a encore la trace, Liam, de la gifle. C'est rouge encore, j'ai mal. Là, il faut finir, Liam. Merci, Liam.
Merci mon ami. Ok. Ok. Et je trouve que Rodri c'est lourd. Un peu trop lourd à mon goût. C'est bon les gars, on aura passé en positif. Ouf. On salue tous les frérots qui sont dans le département du 21. Allez les gouttes, bienvenue au club. Reuter, je sais pas comment on prononce. Ça t'a pris 5 minutes à le faire. Reuter. En vrai c'est pas un SBC qui est long à faire. Non parce que j'avais le club pour. Parce que je fais pas beaucoup de SBC en vrai. Jorginho Reuter. On va te tester, j'espère que t'es bon mon frérot. Après pour le coup, quoi qu'il arrive les gars, ça restera une carte qui est en double 5. Une potentielle évolution sur cette carte là, je pense que ça sera pas avant quelques semaines, quelques mois. Comme que c'est déjà 88 de notes, il a quand même une belle petite carte. Et bon le double 5, c'est vrai que cette carte là tu dis bon, on sait jamais. Sachant que double 5, sa course c'est longue, contrôlée, pied gauche 1m82. Niveau de la vitesse c'est correct. Frappe c'est un peu léger au niveau de sa finition. Puissance de frappe c'est correct aussi. 87 c'est bien. Au niveau de la passe c'est bien. Au niveau de la passe je trouve que c'est plutôt correct. Au niveau des dribbles c'est bien, sauf réactivité et tag, mais c'est un petit peu bas. Par contre c'est physiquement parlant les gars. 87 de détente, 87 d'endurance, 94 de force. Ok, il a passe incisif, passe R1, intuition, trickster et infatigable. Ok, il a fait l'évolution de Mendy. Il joue en 4-1-4-1, comme le V. Mon dieu, la gueule des buts. Et merci à toi Maria Fin mon frère pour ton 8ème mois. Petit prime pour fêter la fin du futur en passant 11 wins et la première fois cette année. Vous êtes les goûts. Merci à toi mon Maria. Merci mon ami. Dis-moi t'es qui dans le paquet rose mon frérot. Est-ce que vous, ce week-end les gars, pour vos récompenses Future Champions, vous espérez avoir une Heroes un peu sous-côté? Moi je connais, il a fait quoi? Dommage, bien joué Liam. Bien joué mon frérot. Chaque corner ça doit être une occasion de buter avec Drogba. Chiche. S'il y a des frérots qui l'entassent les gars, Cantona, s'il vous plaît les gars, dites-moi qu'il est bon. Ils ont anticipé la frappe. Mais tu fais quand même. Bravo Liam. C'est qui votre chouchou? Pas spécialement le meilleur joueur. Bah moi c'est Lampard je pense. Chouchou Lampard. Hein. Dans notre équipe là. Après j'aime beaucoup Stam, mais tu sais Stam, je l'ai eu dans le pack de précommande. Donc t'as vu, je joue beaucoup quoi. Merci Liam. J'ai pas eu besoin de te le dire, merci Liam. Tu vois, c'est l'angle. Tu vois, l'angle ouais, que t'avais non, pour tirer avec Drogba, c'est sûr. Je vois totalement. Là, tu peux être à 10 mètres derrière, mon frère, tu fais un timing vert, tu la mets. Here we go! Punis-le, Liam. Voilà, quand tu prends ton temps sur les corners, mon frère, c'est un but. Bravo, Liam. Pas mal, Reuter, pas mal. Frappe côté opposé. Bravo, frappe Liam. Frappe côté opposé, t'as raison. Bien joué, Liam. Tu vois, là, t'es un peu plus cool dans la finition. Ouais. Même si t'es un peu bizarre, t'as marqué. Non, mais c'est ce que je voulais faire. Fais attention. 5-4-1. Fais attention. Et là, tu vois, 5-4-1, mon frère, vraiment, il faut bien que tu prennes ton temps. Et dès que t'as un angle de tir avec ouais, faut tirer. Faudra que tu t'en donnes. Extérieur ou enroulé, mon frère, il faudra que t'en donnes. Bien joué, la défense. Dis-moi que c'est pas un carton rouge. Non. 85ème 30. Allez, pas d'hors-jeu ça, mon frère, le goal sort. Merci le jeu. Comment je rate ça? Comment je rate ça? Viens. Voilà. T'es dans la surface, ta première idée c'est de tirer, mon frère. C'est ouais. Pas de faire la passe, tu vois ce que je veux dire? Là, tu vois la différence? Ouais, je vois. Recule pas. Tu vas tirer. Bien joué Liam, bien joué. On prend. Bam. Voilà. Honnêtement, pour l'instant, les gars, Reuter, pour l'instant, je mets 7 sur 10. Ok, il a mis une. Okay, attention. Il a pas qu'à Abedi Pelé. Attention Liam. Tu vois, là franchement, c'est externe pour moi avec Drogba, mais si t'as sorti la passe, tant mieux. Bien joué, prends l'espace. Wesh. Oh ah, non, dommage, faut que ça croise. Je pensais qu'il allait bouger le gardien. Mais dis-toi, Liam, quand les mecs ils bougent le gardien, c'est un chouïa cette année dans le jeu. C'est pour ça que les tirs croisés se sont cheatés. On prend. Tu sais que Vico, Houston, on l'avait fait une fois. J'ai pas trop kiffé, mon Houston. Bien joué Liam. Y a rien à faire, j'ai l'impression. Je pense que le combo Griezmann-Drogba, je pense que j'ai trouvé mon combo. Après, ce Griezmann-là se complète avec n'importe qui. Ouais, c'est Partos, vrai. Réel, les termes.
On prend. On prend, ouais. Bien joué ça. Ouais, y a faute. C'est rouge ça. C'est rouge. Ouais. Warren, c'est 400k. Mais après, le truc, c'est que Warren, il n'y a pas de playstyle plus. S'il avait eu un petit playstyle plus, ah, 400 000, là, je t'avoue, ça aurait été peut-être un peu. Ouh. Méchant. Méchant garçon. Ouh. Méchant garçon, j'en donne moi. Oh oui. Oh oui. Magnifique, magnifique. Magnifique, les gars, le but de Ruther. Non, oh. Non, non, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Je fais la. Oh là 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 là. Ah, c'est dommage, les gars, c'est défaite parce que vraiment, pour le coup, je lui donne le premier but. Là, j'ai 5 matchs, pas le droit à l'erreur. Les gars, tout à l'heure, avec un ami, avec Marco, du coup, dans le chat, on avait cette discussion par rapport à Facebook. On parlait, tu sais, du contenu, etc., sur FIFA. Mais est-ce que vous regardez beaucoup, les gars, du contenu, vous, sur Facebook? Si t'as moins de 35 ans et que t'es sur Facebook, t'es dangereux. Parce que moi, la seule fois où je vais sur Facebook, c'est mon Facebook perso, tu vois. Et la seule fois de la semaine où je vais sur Facebook, à chaque fois, je tombe sur des comptes communauté foot, enfin, communauté foot, ouais. Et tout, tu vois. C'est que je pense, par contre, la communauté foot sur Facebook, je pense, les gars, franchement, il y a. Je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes. Hein. Après, le truc, c'est que nous, sur Twitch, on est des tryharders, on connaît, tu vois, tout. Il y a des lambdas sur Twitch, bien sûr, les gars, mais le truc, c'est que. Twitch, c'est les tryharders, tu vois, un peu de foot. Facebook, ça scam, faire attention. Même les gars, sur TikTok, de toute façon, les frérots. Mais tu sais que même partout, même. Hein. Même sur les commentaires YouTube, je sais pas si vous pouvez voir, les gars. Je sais pas si vous êtes beaucoup sur YouTube, en vrai, les frères, si vous êtes pas mal sur Twitch. Moi, je sais que sur YouTube, chaque vidéo qu'on poste, ça soit sur la chaîne principale, sur la chaîne secondaire. Et les gars, chaque fois, il y a au moins 5 à 10 bots. C'est horrible ça. Et YouTube, ils font rien. Ça fait là, c'est là depuis 6 mois, YouTube, ils ont rien fait. Et tu vois, c'est des scams sur YouTube, sur Twitter. Il y a des scams partout, tu vois. Mais de toute façon, les gars, c'est simple. Votre compte fuite, ne donnez votre code à personne, oui. Ne donnez votre compte à personne. Faire très très attention là-dessus, les gars. Ah, bien joué, bien joué, bien joué. Oh, RGE, c'est le rouge. Il va pas lui mettre. La double peine, la double sanction, ça serait terrible. Bien joué, oui. bien joué. Non, Caroline peut pas jouer. Oh non. Elle peut pas jouer MOC, mais je peux la faire jouer. Aïe, aïe, je donne le ballon. Elle peut pas jouer MOC, mais je pourrais faire un 4-4-2, tu vois. Oh là là, bien joué, très très bien joué. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'il joue bien devant le mec. La dynamique, oh la carte dynamique. Ah, ça peut aider des fois. Hein. Ouais, mais très rarement en vrai. Et tu vois un Neymar. Oh. Ouais. Mais je vais. Oh, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Il reste encore du temps, là. Merci, Vince. Je te jure, faut que je me calme dans ce match parce que c'est. Allez, voilà. Faut que je me calme dans ce match. J'ai peut-être pas les bonnes décisions, mais il faut que je me calme. Tire l'âme dans la surface. Et non. Ah, je suis pas froid. Bien joué, bien joué. Encore une fois, je leur donne des buts. Le mieux qu'on puisse faire, l'âme, c'est 11. 5 matchs, 5 victoires. Oui, mon frérot. Chat. Oh. Pas mal. Oh là là. Tu vois, bien joué ça mon frère. Le football. Oui Didier. Les gars, je pense que Didier, je vais vraiment le garder. Ah, il est bon là, il faut juste savoir. Il faut juste apprendre à le jeu. Voilà. Ça c'est bien Liam. C'est qu'il a pas tort. Là tu attaques. Voilà, voilà, voilà Liam. Je vais redonner des coups, je vais redonner. Parce qu'en seul buteur, c'est quand même léger. On prend Liam, on prend, on prend. Ah, dommage. Comment tu vas mon Sam? C'est normal que je fais des 5-0 en playoff en Future Champions, je dépasse pas les victoires. Bah, dis-toi mon frère, en playoff, tu tombes contre des mecs qui ont du mal peut-être à se qualifier, tu vois. Dommage, t'es sûr, 45ème, il allait marquer, c'était sûr. Liam, s'il te plaît, Liam, s'il te plaît. Tu veux jouer, vas-y. Ouais, s'il te plaît. Les amis, mon but, en 20 minutes, vous faire rêver avec un power shot de Didier Drogba. Ouais, mais le mec, il joue pas.
Ramenez-moi le champs. Regardez l'effet de balle, comment ça retombe. Regardez comment le ballon il retombe. Regarde comment il retombe. Je vais le mettre en plan d'ensemble. Regarde. Le goal il sortait même pas, chef. Oh, rentrons en Fut Champions. On va récupérer du coup la célébration flex qu'on a déjà. Un pack 10 joueurs 83 plus vendable. Un pack 2 joueurs 87 plus. Un pack héros de base. Deux packs Team of the Week que je vais garder, les frérots. Cette semaine, je vais pas faire l'erreur de les ouvrir. Je vais les garder. Et un pack 20 joueurs 82 plus 80 000 crédits. 11, c'est mérité. J'ai pas été à mon prime offensivement. Par contre, je vais vite fait parler de l'équipe. Donc, je vais commencer par le gardien Team Ward. Il aura pas fait son meilleur Fut Champions. Walker, faut que je le change. Koundé, il était plutôt bon. Mais à côté de Marquinhos, c'est pas top. C'est pas tip top. Je vous mens pas, les frérots. C'est pas. Ça va manquer d'impact physique, tu vois. Bon Pasteur, faut que je change aussi. Rodri, ça commence un peu à être limité. De Jong, très très bon. Très 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 bon De Jong, j'ai bien aimé. Dembélé, faut que je le vende aussi parce que de temps en temps, il est rapide, il est bon, mais dans la finition, c'est un peu limité. Et c'est aussi surtout le fait que je trouve hein, que des fois, en fait, il pousse le ballon un peu trop loin. Et pour un joueur qui a 89 de dribble, je trouve ça un peu dommage. Après, il en double 5, il est correct, tu vois. Et Reuter, alors les gars, alors mon avis sur Reuter, vas-y, je vous déconseillerais de le faire. Ce soir, sache-le, on a reçu au moins des centaines de questions par rapport à Reuter. Donc, dis ton avis, mon frère. Mon avis, personnellement, les amis, je vous déconseillerais de le faire. Si vous avez déjà une équipe plus que convenable, c'est un joueur qui est particulier. C'est pas un mauvais joueur, mais honnêtement, ça vaut pas le coup de faire son SBC. Ça vaut pas le coup, je trouve qu'il est pas ultra rapide. Au niveau des dribbles, c'est correct. En fait, le plus impressionnant avec Reuter, ça a été son physique. Et c'est pas forcément le joueur dont, tu vois, avec cette disposition-là, c'est pas forcément le joueur où tu t'attends qu'il soit physique. Pour être totalement honnête, donc moi, je mettrais 6,5 sur 10 pour Reuter. Je vous le conseillerais pas trop, franchement. Je vais pas dire que je regrette d'avoir fait son SBC parce que comme ça je l'ai testé et je peux vous donner un avis sur le joueur, mais franchement, c'est pas un SBC qu'il faut faire, absolument à mon avis. Drogba, je vais essayer de le garder, sauf s'il y a une fourchette où il peut prendre 100, 150 000. Là, je vais peut-être le vendre, mais honnêtement, Drogba, je pense que je vais le garder. Et Griezmann, je l'ai trouvé très très bon. Je pense que je vais soit prendre Arnold, soit prendre. Je voudrais pourquoi pas tester Diogo Dalot, ouais. Diogo Dalot, il pourrait m'intéresser. Moi, la question, justement, c'était pour la différence de prix entre Diogo Dalot et Alexander Arnold, est-ce que c'est pas mieux, les gars, de prendre Alexander Arnold? Parce que Alexander Arnold, il a le playstyle de la passe. Et je trouve que c'est trop cheaté, moi. Surtout si là, il garde Drogba, en fait. Bon, on y va? Pas de ralentir. Honnêtement, Yanis, non, je vous conseillerais pas de faire Reuter. Est-ce que d'abord, tu veux commencer par les packs vendables ou invendables? Invendables. Moi, je pense que le mieux, c'est de commencer avec les packs invendables. Pack invendables, 20 joueurs 80 de plus. Les gars, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut avoir des icônes régulières, des icônes de base dans ce pack-là? Dans les packs 20 joueurs, 82 plus. Pas sûr. Hein. J'en suis sûr, s'il y a des... Durant l'année, quand il y aura des icônes en promo. Ah, quand elles sont en promo, ouais. Ça, c'est sûr, mais là, on peut pas, on est d'accord. On joue le pack 2 joueurs, 87 plus. Ok, c'est pas de carte spéciale. Odegaard. C'est toujours les mêmes. C'est Egerberg et Odegaard tout le temps. Non, moi, je dirais Declan Rice. Sorcier. Hein. Allez, le pack 10 joueurs 83 plus, il faut se faire des crédits là-dedans. Aïe! Wesh. Paulinho. Force petit prince. Oh, la mauvaise soirée de l'âme. Une soirée à vite oublier. J'ouvre mon pack héros de base. Je souhaite Matuidi. Okocha, j'aimerais bien Okocha. Amsic, du lourd. Di Natale. C'est parti les amis pour mon pack héros de base. Ouvrons-le. Brolin. Banger! Banger de fou! Ça sauve de fou! Victoire pour moi! Et Game, les gars, on dirait trop d'Aglish. Par contre, je te promets que ça, sur sa photo, c'est vraiment. Liam qui compte aller en Suède d'ailleurs, ce soir. Sur sa photo, pour moi, là, on est dans les années 80. On est à IKEA dans les années 80. Vraiment, les gars, il est innocent. Tu sais qu'on dirait Chucky. Tu sais que la vérité, tu te concentres sur sa photo, on dirait un peu Chucky. Hein. Combien? T'es content, Liam? T'es content, ouais, mon gars. 400 000. Mais je pense qu'il est vraiment fort. Par contre, lui, c'est double buteur à côté. Double buteur à côté de Didier Drogba. Honnêtement, c'est toujours quand tu fais les moins bons Fut Champions que t'es récompensé. Eh ben écoute, au final, c'était pas mon meilleur Fut Champions. Mais comme souvent, quand je fais pas des super bons Fut Champions, je suis récompensé à la fin. Donc, mon Brolin, franchement, ça me régale. J'ai hâte de le tester, je sais pas encore si je vais le faire jouer à droite, en buteur ou en tant que MOC. En tout cas, il a ses 3 postes et cette semaine, je vais essayer de trouver son meilleur poste pour le faire jouer. En tout cas, les amis, merci à vous. Merci. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci énormément de votre soutien, que ce soit sur cette chaîne Les Twins FIFA et également la chaîne Les Twins Clip. Merci à toi. En tout cas, bon week-end, bonne chance pour tes matchs de Champions. C'était ton pote Liam. Moi, c'est Vincent. Ciao.